Bonjour, aujourd'hui nous allons vous préparer un coulis d'orange en utilisant de la gomme de xanthane. Donc c'est parti. On commence par couper nos oranges. Donc on prend des oranges à jus hein, en deux pour les presser. Pour faire le coulis, on va récupérer uniquement le jus, sans la pulpe. Du coup, on va passer le jus directement au chinois étamine. Quand vous faites cette préparation, très important de faire le coulis au dernier moment. Pour récupérer le jus et les vitamines qui sont très volatiles, c'est important de prendre des oranges et de le faire quasiment au moment pour avoir toutes les propriétés du jus d'orange. Voilà, on peut presser le fond du chinois pour pouvoir faire sortir le jus. Et au fond du chinois, on voit bien qu'il y a la pulpe qui reste là. Donc ça, on va pas la garder. Donc voilà, nous avons nos 200 ml de jus d'orange. On va remettre dans le petit saladier. Même dans la recette, il faut incorporer un sachet de gomme de xanthane directement dans le jus d'orange. Donc comme on peut voir, le jus d'orange là est très liquide. C'est quasiment comme de l'eau au niveau de la texture. Donc pour un coulis, on va utiliser ça qui permet d'épaissir le jus d'orange. On va pouvoir le travailler après comme un coulis. Voilà. Moi, je rajoute un petit peu de sucre pour casser un peu l'acidité du jus de citron, du jus d'orange, pardon. Et là, on a un jus bien épais. On peut l'utiliser sur des gâteaux, sur des desserts, ou même en faire une décoration. Je vais vous montrer un petit exemple de décoration. Par exemple, imaginons qu'on a un dessert, un beau dessert au milieu de l'assiette. On peut faire un petit coulis comme ça, en faisant des petites gouttes. Donc avec ça, on peut faire des petits décors sympas, ou même recouvrir par exemple tout simplement un fromage blanc. Ça change des coulis à base de fraises et framboises. Donc là, on a un coulis sympa de la saison. En ce moment, on est en pleine saison des oranges. Donc ça fait des textures qui tiennent correctement sans changer le goût de l'orange. On a encore toutes les propriétés, puisqu'on vient de le faire, on a gardé les propriétés du jus d'orange avec toutes les bonnes vitamines qui s'y trouvent. Et comme la gomme de xanthane est un produit 100% naturel, et ben, on a gardé toutes les propriétés, on a juste changé la texture pour pouvoir faire d'autres utilisations. Voilà, par exemple, on peut faire un petit décor tout simple, comme ça. Voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Voilà.